Salut tout le monde, c'est Tactic Knife. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière sur la French Modding. Déjà, je suis en compagnie de Arnaud. Salut à toi. Wesh, wesh. Donc voilà, c'est un petit peu une vidéo annonce pour vous dire qu'on va reprendre la chaîne French Modding. Elle a été inactive pendant un mois, voire un mois et demi. Et on a parlé avec Emric tous les deux et on s'est dit que ce serait pas mal qu'on puisse la reprendre, histoire de pas vous laisser sur votre faim et continuer de vous proposer un maximum de vidéos. Donc pour commencer, pour ceux qui nous connaissent pas, on va déjà se présenter assez rapidement. Donc moi c'est Tactic Knife, j'habite en Suisse, j'ai 18 ans, je suis fan des jeux vidéo depuis les Pokémon sur Game Boy, donc ça fait un petit moment. Pokémon, oui. Et oui, bah oui, faut bien l'avouer. Et puis bon, ensuite je suis passé chez Sony avec la PS1, la PS2, puis bon maintenant je suis sur PS3. Sinon, je fais partie du staff du site Play the Glitch, donc c'est un petit peu cette chaîne, c'est un petit peu la chaîne officielle du site playtheglitch.com. Puis voilà, sinon je compte proposer un maximum de vidéos sur cette chaîne, vu que je vais me consacrer uniquement à cette chaîne maintenant. Il faut savoir qu'avant j'en avais déjà une, mais que je viens de laisser tomber justement pour me consacrer à 100% sur cette chaîne YouTube, et puis en espérant que nos vidéos vous feront plaisir et puis vous feront passer un bon moment. Donc voilà Arnaud, moi je te laisse te présenter vite fait en quelques minutes. Moi c'est Yarnos, moi passionné des jeux vidéo depuis un bon bout de temps, puis j'ai les connaissances de base on va dire, mais je suis plus consacré au graphisme, donc voilà, moi ce sera bref et voilà. Ouais d'accord, ouais, très bref. Donc, tu veux que je dise quoi d'autre? Oui, non, c'est vrai qu'il y a limite pas des masses à dire. Donc maintenant, on va un petit peu plus vous parler de la chaîne. Donc, au niveau du style des vidéos, ça va être un petit peu comme avant. Donc, on va essayer de diversifier. On va présenter des glitches sur certains jeux qu'on aurait, enfin, des glitches en vidéo qu'on pourrait vous faire découvrir, des tutos sur des petits hacks, des petits bugs, etc. à faire. Sinon évidemment il y aura des petits commentaires, des petits gameplays assez banal, j'ai envie de dire. Et puis il y aura aussi tout ce qui est graphisme ou fanpage. Voilà, exactement. Donc pour ça, vu que j'ai jamais fait de fanpage, Arnaud, toi je sais pas si tu as déjà fait. Non, pas du tout. Donc c'est pour ça que pour ce genre de vidéo, on va vous laisser vous nous faire part de vos vidéos, comme c'est écrit dans la description de la chaîne. Vous aurez la possibilité d'uploader, enfin que nous on upload vos vidéos sur notre chaîne. Pour ça il vous suffira juste de nous envoyer un message privé avec le lien de votre vidéo ainsi que le nom de votre chaîne, et puis après on s'occupera de la mettre nous-mêmes sur la French Modding. Donc pour ça ce serait quand même pas mal d'avoir des vidéos en minimum en 720p pour ce qui est de la qualité, avec une intro, comme ça ça ferait une vidéo un petit peu sérieuse entre guillemets. Et puis donc voilà pour ce qui est le fanpage, et puis pour le speed art aussi il vous sera possible de nous donner vos vidéos. Bien sûr le speed art que vous faites devrait être en rapport avec la French Modding, donc n'allez pas faire un speed art sur n'importe quoi. Ouais, ou de jeux vidéo, pas forcément la chaîne. Voilà, ouais aussi. Un petit montage. Mais par exemple, pas un speed art sur votre pseudo, sur votre nom de chaîne ou quoi que ce soit. Donc pour ça, vu que Arnaud est aussi graphiste, je pense que tu pourrais en faire quelques vidéos de temps en temps sur des speed art. Ouais. Pas mal, surtout que toi tu fais du bon boulot. Donc voilà, c'était bon, ça aussi pour les speed art, pareil, hein, des vidéos en 720p avec une petite intro, et puis après on s'occupera du plus haut. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, enfin le principal en tout cas. Après on va se retrouver, moi je vais très très certainement faire un gameplay très prochainement sur cette chaîne pour bien redébuter un petit peu, pour me familiariser un petit peu. On va relancer. Voilà, exactement. C'est ça que ce serait pas mal pour relancer gentiment la chaîne, pour réattirer tous les publics, parce que je sais pas si tous les abonnés iront encore voir les vidéos parce qu'ils pensent que la chaîne est abandonnée. En tout cas, 2600 abonnés. Ouais, donc justement, ce qui serait pas mal, c'est de relancer ce public, de faire voir à tout le monde que la chaîne
a été reprise en main et puis qu'elle va redevenir active. Donc voilà, on a dit un petit peu près ce qu'il fallait, donc on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.